Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort au cœur, un film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Louis C. Thomas. Avec Rosy Wart, André Var, Robert Marcy, Jean-Pierre Lituac, Madeleine Lambert, Evelyne Chétrit, Gabriel Santanini, Henri Poirier et Jacqueline Rivière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Robert Borel et Arlette Lehambre. Réalisation de Pierre Billard. Hélène ! Crie pas comme ça, je t'en supplie. Qu'y a-t-il ? Viens boire avec moi. Oh non, laisse-moi tranquille, Étienne, je suis fatiguée, je manque de me coucher. Il est à peine 8 heures, je te défends de monter. Allez, passe-moi la bouteille et viens boire. Non, Étienne, je t'en supplie, mais tu as assez bu. Tu sais ce qu'a dit le docteur Froissart? Je me fiche du docteur Froissart, passe-moi la bouteille. Oh mon Dieu, je ne sais même pas pourquoi je lutte. Prends-la toi-même, ta bouteille, et tue-toi à force de boire. Hein? Ça t'arrangerait. Et où vas-tu? Je monte me coucher. Reste ici. Et apporte un verre. Un grand. Les petits verres, c'est bon pour les fillettes. Tiens. Allez, à toi. Tu trouves que tu ne bois pas suffisamment pour deux? Eh ben alors, reste ici pour me tenir compagnie. Et je veux que tu m'obéisses. Es-tu ma femme, oui ou non? Hélas, oui, Étienne. Je suis ta femme. Je n'en peux plus, Marc. Un de ces jours, il me tuera. Alors, je deviendrai folle. Écoute, mon chéri. Je sais qu'il y a ton fils et que tu as peur pour lui. Mais cette vie ne peut pas durer. Il faut le quitter et emmener Bernard. C'est impossible, tu le sais bien. C'est lui qui paie la pension et il a donné des ordres. On ne me laissera pas l'emmener. Et si tu profitais d'une de ces crises pour le faire enfermer? Après tout, ce ne serait que justice. C'est pas Froissart qui nous contredira. Oui, je sais. Le docteur Froissart l'a déjà prévenu. Mais il lui a ri au nez en disant que si on l'enfermait, il sortirait bien un jour et que ce jour-là, il y aurait du sang à la une. Et puis je... Oui? Eh bien, je t'aime et tu es son employé. Si j'essayais de le faire enfermer, les langues iraient bon train, tu sais. Ah non, alors là, tu te trompes. Dans la ville, tout le monde le connaît et on le trouve parfaitement écœurant. Quant à nos relations, ce sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Tu crois pas? C'est un reproche? Non, mon pauvre chéri, non. Tu sais bien que non, je t'aime et je suis prêt à vivre ainsi jusqu'au jour où je pourrai t'épouser. Mais seulement si nous ne faisons rien, il y a de grandes chances pour que cela n'arrive jamais. À moins. À moins? À moins. Qu'il en arrive à boire jusqu'à ce que mort s'en suive. Malheureusement, ce serait vraiment trop beau. Nous n'aurons pas cette chance-là. Écoute, tu as entendu? Ne bouge pas. Oh, Dieu, j'en avais fait peur. J'allais justement frapper pour vous demander si vous désirez une tasse de café. Très aimable à vous, mais je n'y tiens pas vraiment. Merci, chère madame. Notez que lorsque je dis une tasse, c'est une façon de parler. Je vous en apporterai aussi bien deux. Vous êtes doublement aimable, mais mademoiselle s'apprête à partir. Dans ce cas, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonne nuit, monsieur Legrand. Bonsoir, chère madame. Mon Dieu, tu crois qu'elle a entendu? Aucune importance. Elle écoute aux portes et elle sait probablement qui tu es.
Je ne pense pas qu'elle soit dangereuse. J'en suis moins sûre que toi. Mais pourquoi ne cherches-tu pas un autre logement? Parce que c'est encore ici que nous sommes le plus à l'abri. Il y a guère de voisins, Madame de Saint-Servin ne sort que pour faire ses courses et elle ne parle à personne. Il faut que tu rentres maintenant. Oh, tu me chasses? Oui, oui, si ton mari se réveillait. Oh, pour ça, pas de danger. Avec tout ce qu'il a bu ce soir, il en a au moins jusqu'à demain matin. Tout de même, je préfère que tu ne tardes pas trop. Quant à moi, je vais profiter de ma soirée pour réfléchir. Il faut que nous trouvions quelque chose. Bonjour Odette. Bonjour. Vous n'avez pas l'air de bien bonne humeur ce matin. Qu'y a-t-il? Il y a que M. Sanvic n'est pas là et que vous arrivez à 11h. Si ça continue, je vais bientôt être seule pour faire marcher l'agence. J'ai dû emmener M. Fernet visiter la bonne trique qui l'intéresse. D'ailleurs, je vous avais prévenu hier soir. Oh, moi, ce que j'en dis, vous savez. Voilà le courrier. Merci. Bonjour, M. Sanvic. Bonjour, Odette. Le grand. Oui. Venez dans mon bureau. Je vais vous parler. Tout de suite. Ah non, 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 pas la peine de vous asseoir. Ce que j'ai à vous dire tient en quelques mots. Et vous pouvez vous chercher une autre place. Eh bien, ma parole, vous devenez tout pâle. Et vous vous plaisiez tant que ça ici? Hein? Puis-je connaître la raison de ce renvoi? Oh, rassurez-vous, votre travail n'est pas en cause. Et je vous signerai tous les certificats que vous voudrez. Non, non, j'ai décidé de vendre l'agence, tout simplement. Vendre l'agence? Mais les affaires n'ont jamais si bien marché. Et justement, c'est le moment idéal pour vendre. J'ai un excellent acquéreur. Malheureusement pour vous, il a déjà son personnel. Un petit verre? Non, merci. Vous avez tort. À la vôtre. Tiens, pour un peu j'oubliais, vous afficherez dès aujourd'hui la mise en vente des coquelicots. Quoi, vous vendez aussi votre villa? Oui. Les gens d'ici, je les ai assez vus. Je vais m'en tirer dans le Morvan où je possède une petite bicoque. Et Madame Sanvic? Hein? Quoi, Madame Sanvic? Est-ce que... Enfin, je veux dire... Elle ne doit pas être très habituée à la campagne. Elle s'habituera. Je lui donnerai des poules et des lapins pour se distraire. Vous ne croyez pas que le... Non, écoutez, le grand, j'ai jugé bon de vous prévenir pour que vous ayez le temps de vous retourner. Hein? Un point, c'est tout. Alors maintenant, occupez-vous de la vente de ma villa. Tu es ma femme, tu entends? Et tu me suivras, là où j'irai. D'ailleurs, je suis certain que tu te plairas beaucoup là-bas. Puisque j'ai décidé d'y emmener Bernard. Mais tu deviens fou. Tu crois qu'un enfant de 4 ans... Un enfant de 4 ans doit vivre entre son père et sa mère, peu importe l'endroit. Allez, maintenant, c'est discuté. Verse-nous à boire. Tiens. J'ai dit verse-nous à boire. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire tout seul. Mais mon pauvre Étienne, si tu t'imagines... Viens ici. Viens ici où je t'assomme. Eh bien, fais-le. Jamais je ne boirai avec toi, pas même le plus petit verre. Ah, tu ne veux pas? Non. Eh bien, dans ce cas, c'est la bouteille que tu vas avoir. Tiens. Allez. Allez, enlève-toi. Relève-toi, je te dis. Bon, bon, bon. Comme tu voudras. Après tout, je peux aussi bien boire tout seul. Je peux aussi bien boire tout seul. Encore un peu de rôti? Non, merci, chérie. De la salade, alors? Ou un fruit? Je n'ai presque rien mangé. Je prendrai quelque chose plus tard. J'ai encore 3 malades à visiter. Dès que Marc sera là, que je l'aurai prévenu, je filme. Tiens, le voilà. Laisse. J'y vais. Qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Tu avais besoin de le voir, c'est tout.
Tu préfères que je vous laisse? Je veux bien, oui. Tu le verras quand je serai parti. Comme tu voudras. Bonsoir, Toubib. Bonsoir, vieux. Entre. Qu'est-ce que c'est que cet appel à 10 heures du soir? Rien de grave, j'espère. Non, non, enfin... Oui et non. Viens par ici. Solange n'est pas là? Elle est à côté, elle va revenir. Voilà. Surtout, ne t'affole pas. Il n'y a rien de grave. Mais... Je reviens de chez Sanvic où j'ai trouvé Hélène blessée. Blessée? Il m'a raconté une histoire insensée de fer à repasser tombé d'une étagère. Comme Hélène n'avait pas l'air de vouloir le contredire, j'ai fait semblant de le croire. Que tu veux dire que... La pièce empestait l'alcool et le mur était éclaboussé. Il a dû lui lancer une bouteille à la tête, c'est évident. Bon Dieu. Cette fois, j'en ai assez. Je file là-bas. Attends un peu. Hélène a reçu un choc, mais ce n'est rien. Quant à lui, je l'ai obligé à se mettre au lit. Je lui ai fait une piqûre et il dormira jusqu'à demain. Et si Hélène veut en profiter pour faire ses valises et te suivre, c'est le moment ou jamais. À cause du petit, il ne voudra pas. J'y ai pensé. Si vous êtes d'accord, j'irai le chercher, je vous le conduirai là où vous serez. Après tout, on n'ira pas jusqu'à me mettre en prison pour avoir voulu soustraire un enfant à une brute pareille. C'est décidément un frère, Toubib. Mais dis-moi, comment as-tu su? C'est lui-même qui m'a appelé. Hélène s'est évanouie, il a pris peur. Je ne sais pas ce qui me retient. Oui, je sais, mais ce n'est pas une solution. Mieux vaut réfléchir sérieusement. Tu as de l'argent? Pour le cas où vous décideriez de partir? Un peu, oui. Bon. Je repasserai là-bas avant minuit et vous me direz ce que vous avez décidé. Solange! Oui? Tu m'excuses, mais j'ai encore plusieurs malades à voir. Mais bien sûr, voyons. Bonjour, Solange. Bonsoir, Marc. Je suis désolée de ce qui arrive. Tu t'en vas chez moi? Oui, et surtout ne m'attends pas, je rentrerai sûrement assez tard. Oui, comme d'habitude. Ce soir, c'est tout de même un peu spécial. Bon. Allez, bonsoir. À tout à l'heure, Marc. Tout à l'heure. Et merci. Merci pour tout. Alors, mon pauvre Marc, qu'allez-vous faire? Essayez de convaincre Hélène. Mais j'ai bien peur qu'elle ne refuse une fois de plus. Vous croyez vraiment qu'il serait capable de s'en prendre au petit? Bon. Je ne sais pas s'il le ferait, mais il a juré qu'il le tuerait si un jour elle partait. Oui, évidemment. Et si vous changiez de maîtresse? Pardon? Après tout, ce ne sont pas les femmes qui manquent. Et si vous quittiez Hélène, elle reviendrait peut-être à son mari. Franchement, si c'est une plaisanterie... Mais pourquoi? Qui vous dit que Sanvic ne s'est pas mis à boire parce qu'il se savait tromper? C'est uniquement parce qu'il était alcoolique que j'ai connu Hélène. À cette époque, il buvait. Il buvait surtout au bureau. J'étais obligé de le ramener chez lui tous les soirs. Oui, je comprends. Notez que... Mon mari aussi m'abandonne presque tous les soirs. Et bien que je sois plus jeune que lui, je ne le trompe pas pour autant. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas le rapport. Bien, disons que... Votre Hélène et moi sommes deux pauvres provinciales délaissées par leur mari. Et que malgré les apparences, elle n'est pas forcément la plus malheureuse. Ceci dit, je ne veux pas vous retarder davantage, mon cher Marc. Et si vous restez parmi nous, nous aurons l'occasion d'en reparler. Écoute-moi bien, Hélène. Oui. Puisque tu ne veux pas partir, c'est la seule solution. Tu veux ou tu ne veux pas, mais il faut choisir. Mon plan est prêt et le témoignage de Frossard concernant la scène de ce soir viendra encore le renforcer. D'ailleurs, c'est lui qui m'en a fourni l'idée, involontairement, en me disant que ce genre d'alcoolique finissait souvent par se suicider. Oui, bien sûr. Seulement, toi et moi, nous saurions que ça n'est pas un vrai suicide. Et il nous faudrait vivre avec ce secret. Pour moi, il ne sera pas bien terrible. J'aurais qu'à penser à toi et à Bernard. Oui, je sais, Marc. Un soir déjà, j'ai saisi un couteau et je suis allée auprès du lit où il dormait. Je n'ai pas eu le courage. Nous l'aurons tous les deux, ce courage. Si tu es d'accord, tout sera terminé dans moins de 24 heures. Qu'est-ce que je devrais faire? Rassure-toi, rien d'impossible. Demain soir, juste avant qu'il ne rentre du bureau, tu verseras un somnifère dans son alcool. Oui. Comme il rentre toujours à moitié ivre, il s'apercevra de rien. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il s'endorme à même la table, sans avoir le temps de se coucher. Oh, ça, c'est facile. Ça lui arrive un jour sur deux, sans qu'il soit besoin de somnifère. Bon, alors, dès qu'il dormira, tu m'appelleras. Oui. Je serai dans le jardin. Ensuite,
tu jetteras quelques affaires dans une valise et tu iras prendre le train de 8h10 pour Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que j'ai des amis qui pourront te recevoir. Et aussi parce que c'est loin. Et toi? Moi, je m'occuperai du reste. Tu veux me faire confiance? Oui. Mon plan est parfaitement au point. Tu n'auras qu'à laisser une lettre où tu lui expliqueras brièvement que tu en as assez, que tu t'en vas. Et juste avant de partir, tu me montreras où il cache son revolver. Donc, seulement attention, ne va surtout pas y toucher d'ici là. Quoi, tu veux te servir de son revolver? Oui, oui, mais pas pour ce que tu crois. C'est à la fois plus simple et plus astucieux. Et la police? Ça, le suicide sera tellement évident qu'il n'y aura sans doute pas d'enquête. Et même s'il y en avait une, on ne pourrait pas te soupçonner. Ah, pourquoi? Mais parce que ton mari sera encore vivant alors que tu seras déjà dans le train et que ce sera facile à prouver. Tu soutiendras simplement... Mais attention, hein, ça c'est très important. Oui. Avoir quitté la maison avant son retour. Tu es parti sans le voir et en lui laissant un mot d'explication. Et pour tout le reste, tu ne sais rien. Tu tombes des nues. Oui, mais toi, ils vont te soupçonner. Non, fais-moi confiance. Grâce au revolver de ton mari, j'aurai un alibi inattaquable. Ah, ça, c'est bien rayonnant, dis-moi. Ça te fait donc tellement plaisir qu'Hélène Sandvik ait quitté son mari? Bah, évidemment que ça me fait plaisir. Une fille comme Hélène avec une brute pareille, ça ne pouvait tout de même pas durer toute la vie. Avoue que tu es un faible pour elle. Oh, Hélène par-ci, Hélène par-là, il n'y en a que pour elle depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je la trouve sympathique et j'aime beaucoup Marc, voilà tout. Quelle heure est-il? 10h. Eh bien, je suppose que Sandvik a dû rentrer chez lui et trouver la maison vide. À moins qu'il ne cuve son vin au bureau. Lorsque nous sommes passés devant tout à l'heure avec Marc, sa fenêtre était encore éclairée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Marc n'est pas parti en même temps qu'elle. J'ai promis d'aller chercher le petit après-demain. Je le laisserai ensuite à Marc et ils rejoindront Hélène tous les deux. Ah bon? Autrement dit, si Sandvik apprend la vérité, c'est à nous qu'il s'en prendra. Oh, décidément, tu n'en fais jamais d'autre. Mais enfin, sapristi, qu'est-ce que tu as ce soir? J'ai tout de même bien le droit d'aider un ami, non? D'ailleurs, là... Tu es là ou tu n'es pas là? Autant que possible, non. Mais demande tout de même de quoi il s'agit. Hein? Allô, oui? Oui? Quoi? Mais quand? Ça, là. Bon. Surtout ne bougez pas. Raymond sera là dans 5 minutes. C'était Marc. Sandvik vient de pénétrer chez lui et de le blesser d'un coup de revolver. Je te fais mal? C'est-à-dire que si tu en as encore pour longtemps, je crois bien que je vais tourner de l'œil. Bon, ça y est. Allez, c'est fini. Tu peux t'éteindre. Je vais te faire une autre piqûre pour calmer la douleur maintenant. Hier, Hélène, et aujourd'hui, moi. Bah, décidément, nous avons de la chance de t'avoir. J'ai surtout de la chance que la balle n'ait traversé que le gras de l'épaule. Quelques centimètres plus bas, et l'aorte était sectionnée. Là, ça va te soulager tout de suite. Merci, Toubib. Avec une cigarette par-dessus, ce sera parfait. Bon. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer. Seulement, si tu ne te sens pas trop mal, je serais quand même curieux de savoir comment cela s'est passé. Oh, c'est bête comme chou. J'étais en train de descendre mes valises quand on a sonné. Ça ne t'a pas surpris, à cette heure-là? Oh, c'est-à-dire que j'ai plutôt pensé à Hélène. Alors, je passe dans le couloir, j'ouvre, et je me trouve en face de Sandvik, complètement ivre. Il me bouscule, entre dans la chambre et se met à chercher partout. Après quoi, voyant qu'il n'y a personne, il m'agrippe au revers et me demande où est sa femme. Mais alors, il savait? À vous croire, oui. Toujours est-il que, Hélène étant en sûreté, j'ai jugé le moment venu de lui dire ce que je pensais de lui. Il m'a d'abord écouté, d'un air hébété. Et soudain, il a sorti un revolver et il a tiré. J'ai dû m'évanouir un instant parce que je ne l'ai même pas vu partir. Mais ta logeuse, elle n'a rien entendu? Elle dort à l'étage au-dessus. Même si le coup de feu l'a réveillée, elle n'a pas dû réaliser. De toute façon, si elle m'en parle, je trouverai bien un bobard à lui raconter. Bon.
Naturellement, avec cette blessure, pas question de partir après-demain. Hein. Il faudra prévenir Hélène. Ah non, ça ira, je partirai. J'ai dit pas question. C'est pas très grave, mais tu auras tout de même un peu de fièvre. Il faut se méfier d'une infection toujours possible. Pour l'instant, tu vas me faire le plaisir d'avaler ces deux comprimés et de dormir. Demain matin, je passerai te voir à la première heure. Très bien, docteur. Mais je compte sur ta discrétion, hein. Nous en reparlerons demain. À mon avis, mieux vaudrait peut-être prévenir la police, mais ça peut attendre. Repose-toi d'abord et ne te casse pas la tête. Alors, comment va ce malade? Ça va. Encore un peu abruti par ton somnifère, mais... Eh bien, réveille-toi, car je t'apporte une nouvelle sensationnelle. Cette nuit, sans vie qu'a tenté de se suicider. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mon vieux, au gaz. Seulement, il avait oublié de colmater les portes et les fenêtres. Bref, on l'a transporté à l'hôpital et il est dans le coma. Mon Dieu. Comme tu dis. En tout cas, c'est ce qui s'appelle avoir une... Enfin, une sacrée veine, quoi. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Oh, que je vous prie. Venez par ici. Pardonnez-moi, mais je crois bien ne plus avoir aucune question à vous poser pour l'instant. Je suis venu voir monsieur Legrand. Ah bon, très bien. Par ici, alors. Oui, entrez. Monsieur Legrand, voici le commissaire Sétignon. Monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Legrand. Eh bien, je vous remercie, chère madame. Si j'ai besoin de vous, je me permettrai de vous appeler. Ah, parfait. Je m'en voudrais d'être indiscret. Restez pas debout, monsieur Legrand. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous êtes blessé? À l'épaule, oui, superficiellement. Ah. Eh bien, j'en suis heureux pour vous. Vous ne vous demandez pas la raison de cette visite, non? À quoi bon jouer au plus fin? La vérité, c'est que je vous attendais. Sans vie qu'à parler, n'est-ce pas? Ah, parce que vous savez déjà que monsieur Sans vie... Le docteur Frossard est venu me soigner ce matin et il m'a appris la nouvelle. Donc il n'est pas difficile de deviner que votre visite est le résultat des révélations de Sans vie. Monsieur Sans vie ne nous a fait aucune révélation, monsieur Legrand. Et ce, pour la simple raison qu'il est décédé ce matin, sans avoir repris connaissance. Qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Excusez-moi. La surprise. Oui, je comprends. Si je suis... Non, ne bougez pas, je vais voir. Ah, docteur Frossard, rentrez, je vous en prie. Je ne sais pas trop. Bonjour, monsieur le commissaire. Ah, eh bien, je vois que Legrand a suivi mon conseil et je suis heureux de vous trouver là. Scandale ou pas scandale, moi, je suis pour la vérité d'abord. Erreur, Toubib. C'est pas moi qui ai appelé la police, mais la police qui est venue à moi. Moi, je ne comprends pas. Ah, moi non plus, mais c'est ainsi. Oh, mais c'est assez simple. Vous me permettez un cigare? Merci. En vérité, monsieur Legrand, je suis arrivé à vous... Par la bande, si j'ose dire. Ce matin, votre logeuse, madame de Saint-Servin, a trouvé un revolver dans une flaque d'eau devant la maison. À tout hasard, nous en avons vérifié le numéro. Et nous avons découvert qu'il appartenait à monsieur Étienne Saint-Vic, lequel venait de se suicider au cours de la nuit. Or, vous étiez son employé. Madame Saint-Vic avait quitté le domicile conjugal. Et en plus de l'arme retrouvée, madame de Saint-Servin avait cru entendre cette nuit une détonation. Tout cela vous explique que je n'ai pas été trop étonné de vous retrouver blessé. Madame Sanvic est votre amie, n'est-ce pas? Je vous choque? Non, bien sûr. Seulement, Hélène Sanvic est beaucoup plus que cela pour moi. Malheureusement, je pourrais difficilement m'expliquer sans dire du mal de son mari. Maintenant qu'il est mort... Si cela doit vous aider, je peux vous dire que nous sommes parfaitement fixés là-dessus.
Son ivrognerie et sa brutalité étaient une notoriété publique. Et encore, vous ne savez pas tout. Avant-hier soir, il a failli tuer sa femme en lui lançant une bouteille à la tête. Il a d'ailleurs eu tellement peur que c'est lui-même qui m'a appelé pour la soigner. Donc, vous pouvez parler franchement, monsieur Legrand, ce n'est pas moi qui vous soupçonnerai de calomnie. À combien de temps remonte cette liaison ? Environ 2 ans. Hélène parlait toujours de quitter son mari, d'obtenir le divorce, mais elle avait peur. Sanville l'avait prévenu que, le cas échéant, ils se vengeraient sur leur fils. Ah, pourtant, hier au soir, elle s'est décidée à partir. Après s'être rendue compte qu'elle risquait véritablement sa vie, oui. Je l'ai poussée à partir au plus vite, me chargeant d'aller chercher son fils et de la rejoindre avec lui. Et elle est partie? Oui, par le train de 8h10 pour Marseille. 8h10, Marseille. Ne vous formalisez pas si je vous pose encore quelques questions. Les affaires les plus simples n'en exigent pas moins des rapports précis. Et où se trouvait Étienne Sanvic lorsque sa femme a quitté la maison, savez-vous? Il est resté à son bureau jusqu'à 9h passée. Hein? Je m'étais posté aux alentours afin de pouvoir prévenir Hélène au cas où il rentrerait plus tôt. Pardonnez-moi, mais pourquoi l'avoir surveillé jusqu'à 9h puisque sa femme est partie à 8h10? Parce que j'avais rendez-vous au café d'en face avec le docteur Frossard. Hein? Le docteur est un ami, il était au courant depuis toujours, je tenais à lui confirmer le départ d'Hélène. Exact. Je peux certifier que Sanvic était effectivement encore à son bureau, j'ai vu sa fenêtre allumée. Tu es bien gentil, mais tu oublies que pour la police, une fenêtre allumée ne prouve pas forcément qu'il y ait quelqu'un derrière. Oui, oh, le reste est assez clair pour que nous n'arrêtions pas ce détail, et je crois pouvoir reconstituer la suite. Sanvic, probablement ivre, rentre chez lui après 9h et trouve la lettre que sa femme lui a laissée. Il prend alors son revolver et bondit jusqu'ici. Quelle heure était-il ? Pour ça, je peux vous le dire à 1 ou 2 minutes près. Il était 10h et quelques secondes lorsque Legrand a téléphoné pour réclamer mes soins. Parfait. Mais, voyons, comment Sanvic est-il entré ici? Oh, le plus simplement du monde, c'est moi-même qui lui ai ouvert. Évidemment, c'était stupide, mais quand on a sonné, j'ai vraiment pas pensé à lui. Et il a tiré tout de suite? Non. Non, j'ai aussi commis l'erreur de vouloir tout lui avouer. Il était ivre et ne me faisait pas peur, mais naturellement, je n'avais pas prévu qu'il puisse être armé. Ouais. Mais à votre avis, comment se fait-il qu'il n'ait tiré qu'une fois? Je me suis évanoui. Il a dû me croire mort et il s'est empressé de fuir. Bien. Qu'avez-vous fait de la balle, docteur? Pas vu, monsieur le commissaire. Elle a traversé les chairs et a dû se loger quelque part. L'avez-vous retrouvé, monsieur Legrand? Non. Je vous avoue que je ne l'ai pas cherché. Oui, je comprends. Mais si vous voulez bien vous mettre un instant à l'endroit où vous étiez lorsque Sanvic a tiré, nous devrions la retrouver facilement. Attendez, je devais être... voilà, ici, à peu de choses près. Bien. Alors, la trajectoire de la blessure, docteur. Presque à l'horizontale, très légèrement de haut en bas. Oui. Exact. La voici. Eh bien, tout cela est parfait. Croyant vous avoir tué Sanvic et rentré chez lui, il a préféré ouvrir le gaz, ce qui était probablement la meilleure solution pour tout le monde. Je vous remercie, monsieur Legrand. Encore un café? Ah, je veux bien, oui. Tu as l'air soucieux. Des ennuis? Non, pas vraiment. Seulement, c'est plus fort que moi. Cette affaire Sanvic ne veut pas me sortir de la tête. Tiens, moi, je croyais qu'elle était très simple et pour ainsi dire classée. Ah, oui et non. C'est pas qu'elle soit tellement simple, mais tout s'y enchaîne parfaitement. C'est d'ailleurs justement ce qui m'intrigue, tu vois. Oh, écoute, décidément, je vais avoir un commissaire pour mari. Je ne comprendrai jamais la police. Enfin, vous passez votre temps à chercher des liens entre différents événements et lorsque tout s'enchaîne, enfin... Ah, vous trouvez que c'est louche? Oui. Oui, je sais que ça peut paraître paradoxal. Pourtant, c'est ainsi. Car, vois-tu, si nous admettions au départ que Marc Legrand et Hélène Sanvic ont assassiné le mari, oui, tout s'expliquerait différemment, certes, mais tout s'expliquerait quand même. Bah, écoute, ça, alors franchement, je vois pas. Bah, écoute, supposons qu'il y ait eu crime. Oui. Legrand affirme que Sanvic est resté à son bureau jusqu'à 9h. Mm. Mais il n'y a personne pour le confirmer. Bah, et le docteur, alors? Oh, il a vu le bureau éclairé, c'est tout. Et comme c'est Legrand qui lui avait donné les rendez-vous à cet endroit, il a pu le faire précisément en escomptant son témoignage.
Bon, admettons. Et après ? Admettons. Et après ? Continuons de supposer. Et imaginons que Sandvik rentre bien plus tôt chez lui. La maison est isolée. Il fait nuit de bonne heure. Il a très bien pu passer inaperçu. Ce dont Legrand a pu s'assurer en le suivant. Une fois chez lui, lui déjà entre deux vins comme d'habitude, il se remet à boire. Seulement, il y a peut-être un narcotique dans son alcool. Il s'endort sur la table. Hélène Sandvik fait alors entrer son amant dans la maison, laisse bien en vue sa lettre de rupture, puis va tranquillement prendre le train de 8h10. Bah, et lui ? Lui, il attend un peu, probablement. Après quoi, certain que Sandvik dort profondément, il ouvre le gaz et quitte la maison. Il se rend à son rendez-vous avec le docteur, lui fait incidemment constater au passage que la fenêtre du bureau est allumée. Puis, ayant quitté son ami, il monte éteint dans le bureau et rentre chez lui. Où il se tire un coup de revolver. Pas très loin du cœur, d'ailleurs. Pourquoi pas ? C'est assez déjà vu, je t'assure. Je croyais t'avoir entendu dire que cela laissait des traces. Ah, pas si l'on prend soin de tirer à travers une serviette, par exemple. En pareil cas, on ne peut plus relever sur les vêtements ou sur la peau ni traces de poudre ni brûlure. Et tu crois vraiment que Marc Legrand aurait été capable de machiner toute cette histoire ? Ah, pour ça, oui. Je ne dis pas qu'il l'ait fait, mais il est certainement assez intelligent pour avoir pu l'imaginer. Et l'ennui, si les choses se sont bien passées ainsi, c'est que nous ne pourrons sans doute jamais le prouver. Et que cela risque fort d'être un crime parfait. Tiens, bah tu dis toujours que ça n'existe pas. Ah bah disons si tu préfères un crime provisoirement parfait. Mais n'oublions pas qu'il y a des provisoires qui durent toute une vie. Oh Marc, Marc enfin, je croyais que tu n'arriverais jamais. Mais qu'y a-t-il ? Rien. Rien, une guerrière. Seulement toute seule dans cette maison, dans cette pièce, il y a des moments où j'ai envie de crier. Oh, quelques mauvais jours à passer, ensuite ça ira mieux, tu verras. Mais pourquoi ne pas t'installer ici ? De toute façon, toute la ville est au courant. Mais justement, mieux vaut laisser passer un peu de temps. Bah oui, sachant que c'était ton mari, les gens seraient choqués par une trop grande précipitation. Oui, oui, peut-être. Tu m'embrasses pas ? Tu m'en as pas laissé le temps ? Bonjour, toi. Bonjour. Marc, as-tu bu ? Un petit verre, oui, pourquoi ? Mais tu ne bois jamais d'alcool. Voyons, écoute, tu vas pas me faire une scène pour un verre de calva, non ? Je me sentais un peu seul et inquiet, et ça m'a fait du bien. Mais moi, est-ce que je ne suis pas seule, dis ? Mais crois-tu que je ne le sois pas, inquiète, mon... Non, tu n'as pas le droit de boire, je te l'interdis. Tu sais pourtant où ça mène, non ? Mon feu, Hélène, ne sois pas ridicule. Tu ne vas pas me comparer à ton mari pour un verre que j'ai bu. Oui, mais un verre qui t'a remis d'aplomb, tu viens de le dire. C'est bien là le danger. Non, jure-moi que tu ne boiras plus. Je te le promets. Oui, oui, c'est bien, Marc, c'est bien, j'ai confiance en toi. Voilà. Comment va ton épaule ? Ça va, je sens pour ainsi dire plus rien. C'est à ça que je pense le plus souvent, tu sais, au courage qu'il t'a fallu. Si tu m'avais prévenu avant mon départ, je crois bien que je t'aurais jamais laissé faire. Non, ça n'a pas été très facile, évidemment, mais ça en valait la peine. La police n'a pas eu de moindre soupçon. Et d'ici quelques jours, l'affaire sera classée. Mais alors pourquoi cette inquiétude ? Pourquoi tu éprouvais le besoin de recourir à l'alcool ? Je sais pas, ça passera, mais... Après coup, c'est tout de même plus difficile que je ne pensais. Allez, maintenant parlons d'autre chose. Tu veux ? Oui. Tu as fait le nécessaire pour Bernard ? Oui, j'ai écrit là-bas, j'attends la réponse. Ah, tu me fais penser que je viens de prendre une lettre dans la boîte. Merci, mon cher. Seulement, il est trop tôt, ça ne peut pas être déjà ça. Qu'est-ce que tu as, Hélène ? Marc. Tiens, lis-toi-même. Il y avait une fois un mari, une femme et un amant. Le mari devenant trop gêné, les amants décidèrent de le supprimer. La suite au prochain numéro. Oh Marc, c'est effrayant, je vais devenir folle.
Pour la première fois depuis 3 jours, je n'ai pas reçu de lettre. C'est de ne pas en avoir qui me fait peur maintenant. Eh bien, dans ce cas, rassure-toi. Si tu n'as pas eu ta lettre quotidienne, c'est tout simplement qu'elle est arrivée au bureau, à mon nom. Mais tu as encore bu. Et après? Tu m'avais pourtant juré. Eh ben oui, j'avais juré, j'ai pas tenu. Et alors? Écoute un peu ceci, tiens. Dis-moi s'il y a pas de quoi vouloir oublier. Il suffirait pour prouver votre crime que quelqu'un ait vu Sanvic rentrer chez lui avant le départ de sa femme. Et si j'étais ce quelqu'un-là? Hein? Qu'est-ce que t'en dis, ça? C'est fini, Marc. Nous sommes perdus. D'ailleurs, ça m'est égal. Tu dis? Je dis que tout m'est égal. Je suis prête à me rendre à la police. Mais tu deviens folle, non? Non. Non, depuis le premier jour, je n'ai pas cessé de trembler. Ensuite, il y a eu ces lettres pour augmenter ma peur. Et maintenant... Maintenant, je te vois ivre et grossier devant moi. Non, c'est fini. C'est fini. C'est plus que je n'en peux supporter, Marc. Oui, tu as raison, Hélène. Je te demande pardon. Ces lettres m'ont fait perdre la tête. Mais je vais me reprendre, je te le jure. Oui. D'ailleurs... Nous avons tort de leur accorder tant d'importance. Il ne s'agit sans doute que d'un maniaque qui ne peut rien prouver. Il espère nous affoler, c'est évident. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège, Hélène. Hein? Tu m'entends? Oui, oui. Mais qui, à la fin, qui? Ne peut-on vraiment rien faire pour essayer de le découvrir? Oh, je cherche, mais ce n'est pas facile. Les caractères ne peuvent rien nous apprendre. Il faudrait mettre la main sur la machine elle-même. Et ta logeuse? Tu disais qu'elle en possède une. Oui, je la lui ai empruntée hier soir. Mais aucun rapport. Note que ça prouve rien. Elle possède un tel bric-à-brac qu'elle peut aussi bien avoir deux machines. Oui. Et Odette, la secrétaire du bureau. Oui, ça par moment, j'ai la certitude que c'est elle. Elle m'envoie des pics, elle se paye ouvertement ma tête en me donnant du monsieur le directeur. Elle a certainement une machine chez elle, mais là, je vois pas le moyen de la lui faire apporter au bureau. D'ailleurs, si c'est elle, ça serait pas assez bête pour tomber dans le piège. Non, mais c'est tout de même... Tu verras toujours sa réaction. Oui, oui. Oui. Et Froissart? Bon. Pourquoi pas moi, pendant que tu y es? Mais est-ce qu'on sait? Et puis, il y a sa femme aussi. Oh, décidément, tu as raison, il y a de quoi devenir fou. Moi, dans une histoire pareille, je finirai par soupçonner père et mère. Oui, oui, mais il faut trouver, Marc. Il faut chercher sans relâche. Si nous ne parvenons pas à savoir, jamais nous ne pourrons tenir. Très bien, je vais essayer encore. Ce soir, comme tous les jeudis, le toubib va bridger jusqu'à 2 heures du matin. J'irai chez lui et je verrai du côté de Solange. Oui, c'est ça. Oui, après tout, tu n'as peut-être pas tort. Sans te connaître, elle a toujours été un peu jalouse de toi. Vous êtes une fille étrange, Solange. Oui, je sais. Et vous allez encore me parler de Madame Bovary. Il y a peut-être du vrai. Mais rassurez-vous, ça n'ira pas jusqu'à l'arsenic. Le toubib est pourtant un chic type. Oui. Il n'est que cela. Mais il l'est à fond. Oh, malheureusement, c'est un peu court pour remplir la vie d'une femme. Encore un verre? Non, merci. Monsieur, voyons. Pour une fois qu'il y a du whisky à la maison, vous n'allez pas me laisser boire seule. À vos amours, Marc. À votre santé, Solange. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais... je trouve très agréable de vous avoir là. Mes soirées de jeudi sont toujours si mornes. Les autres aussi, d'ailleurs. Pourquoi ne viendriez-vous pas plus souvent? C'est vrai, suis-je bête. Maintenant que votre chère Hélène est veuve, vous ne devez plus avoir tellement de liberté. Non. Vous allez vous marier? Dès que nous le pourrons décemment, oui. On a de la chance, en fin de compte. Un beau drame, un scandale, un grand amour. Voilà qui ne risque pas de m'arriver. Vous ne croyez pas que c'est tant mieux? Non. Non, je crois que tout vaut mieux qu'une vie comme la mienne. Et même,
J'admire ceux qui ont le courage de bouleverser le destin, fût-ce au prix d'un assassinat. Que voulez-vous dire? Mais rien. Je pensais tout simplement, et une fois de plus, à Madame Bovary. Oh, vous n'avez pas cru que je parlais de vous tout de même? Non, bien sûr. Notez que vous avez de la chance. Si Sanvic n'avait pas tiré sur vous, on aurait peut-être cru moins facilement à un suicide. Oh, bon Dieu! Cette fois, vous en avez trop dit! C'est vous, hein? Mais avouez ou je vous étrangle! Michel, vous êtes fou, mais qu'est-ce qui vous prend? Oui, vous avez raison. Je crois que je suis en train de devenir fou. Voici 4 jours que nous recevons des lettres anonymes qui nous traitent d'assassins. Oh. Oui, je comprends. Enfin, que vous ayez pu croire que... Oh, pardonnez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Tenez, commencez par boire cela, c'est excellent pour le moral. Et maintenant? Maintenant, je veux bien oublier tout cela. Mais à une condition. Vous allez venir tout près de moi. Me demander pardon très gentiment. Et m'embrasser de même. Je vous demande pardon, Solange. C'est bien, je vous pardonne. Non, non, Solange. Pourquoi, ça vous déplaît? Non, écoutez, Solange, Froissart est mon ami. Il ne pense quand même qu'à jouer au bridge avec d'autres. Je suis heureuse, Marc. Il y a des mois que j'espérais cela. Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Legrand est dans son bureau? Oui, mais il téléphone. Si vous voulez vous asseoir un tout petit instant. Merci. Madame Froissart va bien? Très bien, je vous remercie. Vous connaissez ma femme? Elle est venue ici une fois ou deux, oui. Elle est toujours si élégante. Vous êtes tout à fait gentille, mademoiselle. Ah, je crois que monsieur Legrand a terminé. Je vais vous annoncer. Le docteur Froissart est là, monsieur Legrand. Entre, voyons, hein? Comment vas-tu? Très bien, et toi? Que se passe-t-il? Comment que se passe-t-il? Tu me téléphones de passer le verre d'urgence. Alors je te demande ce qui se passe. Moi, je t'ai téléphoné? Quand ça? Mais il y a une heure! C'est Solange qui a pris la communication. Je comprends pas. D'abord, je ne t'ai pas téléphoné. De toute façon, Solange connaît bien ma voix. C'est ta secrétaire qui a appelé. Ça, alors? Odette! Monsieur? C'est vous qui avez téléphoné chez le docteur pour lui demander de passer? Moi? Non! C'est bon, merci. Si c'est une plaisanterie, je vois vraiment pas à quoi elle rime. Attends, peut-être que j'ai une idée. Je ne voulais pas t'en parler, mais... J'ai reçu une lettre anonyme hier. Qu'est-ce que tu dis? À propos de... De? À propos de toi et d'Hélène. Ah bon? Quoi bon? Je vois ce que c'est, oui. Hélène et moi, nous en recevons tous les jours depuis une semaine. On nous y accuse d'avoir tué son mari, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que j'en pense? Tu es malade, non? C'est un maniaque ou une femme hystérique, voilà tout. Seulement, à ta place, je préviendrai la police. Oh non, non, j'aime mieux pas. Hélène est à bout de nerfs. Si on la tourmente, si on lui pose des questions, elle fera une maladie. C'est complètement idiot. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je passerai la voir ce soir. D'accord, Toubib. Solange est au courant pour la lettre? Forcément, c'est elle qui ouvre mon courrier. Je n'ai aucune importance, elle pense exactement comme moi. Elle t'aime beaucoup, Solange, tu sais? Oui, je sais. Je t'en supplie, Marc, ne bois pas comme ça. Tu n'as rien mangé, ça va te faire du mal. Bon. D'ici que j'en sois au même point que ton mari? Il y a encore de la marge. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi deviens-tu si méchant? C'est ma faute à moi si... Si? Si nous recevons ces lettres. Oh non, bien sûr. Je te demande pardon.
Je commence à croire que l'auteur des lettres a raison. Surtout cette phrase dans la dernière. Le mal de mort est une maladie et on ne peut pas la guérir. Non, 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 ne parle pas ainsi, je t'en prie. Si nous nous laissons gagner par la panique, nous sommes perdus, Marc. N'oublie pas qu'il ne peut avoir aucune preuve et que son seul espoir doit être de nous affoler, précisément. D'ailleurs... Oui ? Il finira peut-être par se lancer. Il n'y a pas eu de lettre aujourd'hui. Ma pauvre Hélène, il n'y en a pas eu pour nous, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Froissart en a reçu une, lui. Et il n'est peut-être pas le seul. Oh mon Dieu. Oui, cette fois, tu as raison. Je crois que c'est la fin. Que disait-elle, cette lettre ? Toujours la même rengaine. Le mal de mort est une maladie, le pseudo-suicide du sire sans vic, etc., etc. Il doit attendre que nous soyons bien à point, et puis ensuite il écrira à la police. Il ou elle ? Quelle importance ! J'ai soupçonné tout le monde. J'ai essayé toutes les machines à écrire que j'ai pu. Celle du bureau et même un vieux clou qui appartenait au mari de ma logeuse. Alors maintenant, je renonce. Et pourtant, ce ne peut être que dans notre entourage, Marc. Ou plus exactement dans le tien, moi. Je connais si peu de monde. Et après, ça nous avance à quoi ? Oui. Oui, tu as raison. Verse-moi à boire, tu veux. Écoute, Solange, c'est impossible. Nous ne pouvons pas continuer. L'autre soir, j'avais bu, j'étais à bout de nerfs, mais... Non, c'est ignoble. Enfin, de ma part, je veux dire. J'adore ta vocation de martyr. Est-ce parce que tu es le sang-froid que je ne te plais plus ? Oh, tu me plais beaucoup, tu le sais. Mais ton mari est mon meilleur ami. Et tu es amoureux d'Hélène, je le sais aussi. Seulement des moments que je me contente de la seconde place. Je ne vois pas de quoi tu te plains. Quand tu l'auras épousée, tu auras une femme, et moi en plus, voilà tout. Mais oui, je sais, pour toi c'est très simple, seulement de me conduire comme un dégoûtant vers Froissart, je pourrais bientôt plus le supporter. Je ne veux plus que tu viennes chez moi, tu entends ? Je suis désolée, Marc. Mais je ne peux plus me passer de toi. Je veux bien que tu épouses l'autre, et je ne viens pas spécialement à faire souffrir ton cher Toubib. Seulement, si tu tiens vraiment à ce qu'il ne sache pas, je crois que le plus sûr, c'est encore de me réserver les quelques heures que je te demande. Tu veux dire que tu serais capable de... Exactement. Oui. Là-dessus, embrasse-moi. Il faut que je me sauve. À demain, mon chéri. Voilà tout de même. Ouais. Ben voilà, oui. Qu'est-ce que ça a eu d'extraordinaire ? J'ai voulu t'appeler à l'agence en fin d'après-midi. Où étais-tu ? À Corbeil, chez un client. Je rentre à l'instant. Ton secrétaire n'était pas au courant. Et alors, je suis pas obligé de lui raconter ma vie, non ? Pourquoi m'as-tu appelé ? Tu avais quelque chose à me dire ? Si on veut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, si on veut ? Explique-toi ! Une joie de finette. J'ai reçu une nouvelle lettre cet après-midi. Ouf ! Une de plus, une de moins ? Moi, plutôt un verre. Écoute d'abord. Il y a un petit changement aujourd'hui. Un clou chasse l'autre. Après Hélène Solange. Demandez donc à votre Marc le nom de la personne qu'il reçoit chez lui tous les après-midi. Hélène, tu vas pas croire ça? C'est parce que je l'ai pas cru que j'ai voulu t'appeler. Tu n'étais pas là. Évidemment, puisque j'étais à Corbeil. Jure-le-moi, sur notre amour. Je te le jure, Hélène, sur notre amour. Menteur ! Ignoble menteur ! Tu mens comme tu respires. J'étais devant chez toi il n'y a pas une heure. J'ai vu sortir Solange. Tu me dégoûtes, Marc. Tu peux pas savoir à quel point tu me dégoûtes. Écoute, Solange. Non, Hélène ! Moi, je suis Hélène ! Je croyais qu'elle était l'auteur des lettres. Moi, je croyais que tu m'aimais. Tu te souviens de la lettre qui disait que c'était pas pour moi que tu avais tué, que c'était pour l'agence? Eh bien, elle avait raison, cette lettre, comme les autres. Non, mais cette fois, tu es folle. Oui, oui, parfaitement, je suis folle. Je suis folle, mais je ne me laisserai pas faire pour autant. Tout d'abord, un petit coup de téléphone. Un petit coup de téléphone. Oh, très bien, comme tu voudras, tu peux appeler la police, ça m'est égal. La police, la police.
Oh non, pas encore. Si tu permets, je vais commencer par dire deux mots à ton cher ami. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit à ton cher ami. À cette heure, il doit tout juste être chez lui. Non, Hélène. Non, pas ça. Hélène, pas à lui. Hélène. Lâche le téléphone. Lâche le téléphone, je te dis. Alors? Eh bien, tu en fais une tête. Que se passe-t-il? Se passe que Marc Legrand vient de tuer Hélène Sanvic d'un coup de bouteille en pleine tempe. Quoi? Il s'est constitué prisonnier, il a avoué également le meurtre du mari. Tout s'était bel et bien passé ainsi que je l'avais imaginé. Mais ce sont finalement des lettres anonymes qui lui ont fait perdre la tête. Eh bien, la justice triomphe. Tu devrais te réjouir. Après tout, tu es commissaire de police et tu représentes la justice. Je ne suis plus commissaire. Quoi? Je viens de démissionner. Et je te serais reconnaissant de ne pas pousser plus loin l'hypocrisie. Car si tu as vraiment cru pouvoir écrire ces lettres sur ma propre machine, sans que je finisse par découvrir la vérité, c'est que tu es singulièrement naïve, ma pauvre amie. Mais écoute, Albert... Ah non, je t'en prie, tais-toi. Tu penses sans doute avoir fait triompher la justice, comme tu dis si bien, seulement... Seulement? Non, rien. En ce moment, mieux vaut sans doute que je ne te dise pas le fond de ma pensée. Thank you.